Oh, yeah.
Nous les mettons en pratique.
Le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair.
sont ceux qui sont appelés, leur mot recevra l'héritage éternel. Jadis pour nous. Parole du Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la poule ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant : Allez dans la ville. Un homme portant une bouche viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là-haut, il entrera, dit au propriétaire. Le maître me fait dire : Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec les disciples ? Il vous intégrera. À l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous, et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté leur psaume, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louons à
Shabsana, Shafred, Shab Baron, Zerim, Shab Katishet. Mes chers enfants, ce matin, vous êtes au nombre de 185. Vous êtes venus d'horizons divers rencontrer le Seigneur. Vous êtes venus d'horizons divers rencontrer le Maître de la vie. Vous êtes venus rencontrer Dieu. Votre vie, mes chers enfants, vient de Dieu, l'auteur de la création. C'est ce Dieu d'amour que nous avons tous créé et nous a créé par amour. Notre propre amour, c'est de témoigner de l'amour de notre Sauveur, avant et à contre-temps. Votre amour de ce matin avec le Seigneur est tout à fait spécial. C'est le jour de votre première communion. Un jour inoubliable, un jour attendu, après 2 ans de formation. Nous sommes là avec vous ce matin. L'Église est là avec vous ce matin pour vous administrer le sacrement de l'Eucharistie. Nous sommes là, l'Église est là avec vous. Pour vous aider à rencontrer le Christ dans cette célébration. Elle est propre à vous. C'est pour vous, spécialement, que je suis là ce matin. Pour vous. C'est le jour de votre première communion. Je vous accueille, mes chers enfants, au nom de l'Église, notre mère, votre mère. Je vous accueille au nom de l'Église de Jésus-Christ, dont je suis le pasteur, pour vous administrer le sacrement de l'Eucharistie, le pilier, le sacrement qui nous donne le corps et le sang de Jésus. Vous allez recevoir sous peu le corps et le sang de Jésus. C'est pourquoi j'ai choisi pour cela la messe de la cible de l'Eucharistie. C'est l'institution de l'Eucharistie où Jésus va devoir nous donner son corps et son sang pour que nous puissions vivre éternellement. Vous allez recevoir le corps de Jésus. Vous allez recevoir le sang de Jésus. Vous allez recevoir le Christ. Le Christ historique, le Christ de la foi. Le Christ historique, celui qui était venu nous prêcher la parole. Il guérissait les gens. Il pardonnait. Il a monté au ciel. Il est allé rencontrer son Père
après la parole, tu es mis à mort, mis au tombeau. Et sous la force de l'Esprit Saint, sous la force de l'Esprit Saint, Dieu le Père l'a ressuscité et a fait de lui une offre. Seigneur, il est assis à la droite de son Père. Il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Mais avant de s'en aller, avant de partir, avant de prendre congé de nous, de ses disciples, il l'aide à jusqu'au bout. Jésus a donc institué le sacrement de l'Eucharistie. La messe sous la forme du pain et du vin qui devient hors le corps et le sang de Jésus-Christ. Une présence perpétuelle, une présence continuelle, une présence permanente, dès que nous recevons le corps et le sang de Jésus, cette présence réelle, nous disons que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, c'est ça l'ascension, il reviendra nous prendre avec lui, et là, il est, nous aussi, nous y serons. La parole de Dieu doit nous ouvrir le cœur et nous porter à accueillir cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Sabbat. Jésus, il est la bonne nouvelle. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Mes chers enfants, nul ne va vers le Père sans passer par Jésus. Ce Jésus que vous allez recevoir dans quelques minutes, il est le chemin, la vérité et la vie. Et que votre vie découle de lui, la mienne aussi découle de lui. D'abord, notre vie découle de Jésus, de ce Dieu-là. Et il nous aime. Il nous aime. Malgré péché, malgré petit que nous commettons, ton Dieu règne en Dieu. Et l'Éternel est avec nous, il t'apporte à nous voir, il va nous servir pour nous capables pour notre fils, pour notre homme. Deviens ce que tu reçois. Deviens ce que tu reçois. Tu reçois le Christ pour que tu sois un autre Christ sur cette terre pour les hommes, les riches, les pauvres, les marginalisés, les sans-famille, les sans-signatures, les sans-pouvoirs. Quand on voit Jésus. Quand on voit Dieu. Vous êtes fait un effort pour mieux oublier les valeurs chrétiennes, les valeurs évangéliques, telles que l'amour. L'amour, la vie, c'est le sacrement. Vous allez faire de votre mieux pour vivre dans la paix. Dans la paix, vous voyez, à l'école, où que vous soyez avec vos camarades, oui, faire régner la paix partout, partout. Nous en avons grandement besoin, mes chers. Vous allez prier aussi. La prière, c'est la dimension première. Un enfant ne peut pas faire sa première communion sans prier le Seigneur. Un enfant ne peut pas faire sa première communion sans prier Dieu, sans prier la Trinité du Seigneur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un enfant ne peut pas faire sa première communion sans accorder une importance particulière, une importance spéciale à la prière. On a organisé des jours de retraite spirituelle. On a pris des heures pour vous préparer, pour vous aider à prendre conscience de ce que vous allez faire, pour vous aider à prendre conscience de ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir Jésus. Ce matin, les soeurs sont là, les frères sont là, hein? Les parents, vos parents, ils sont là. Vos gardes chefs, ils sont là. Le curé de la paroisse, il est là pour vous accueillir et de faire tourner de l'Église qui lui a donné le pouvoir. C'est au nom de l'Église que je suis là avec vous ce matin. C'est votre fête. Quelle est fête? Bien fait. Lorsque nous avons promené, nous avons baptisé, nous parlons la main. L'être baptisé, nous débutons. C'est vraiment nous.
qui te dit qu'il n'avait pas de carré pour consacrer et qu'il laisse qu'il est appelé, c'était une prière. Et maintenant, qui va être le cas pour le calme, c'est moi qui ai pris tout le bâtiment. C'est moi qui ai pris le Saint-Sacrement, baptême dans le monde, fin avril. Après ça, moi, je me suis donné un baptisme pour me battre le péché de mes temps pour me confesser. Non, maintenant, le monde qui baptise, il n'y a pas besoin de confesser. Moi, je choisis de confesser après le péché de mes temps pour me permettre d'initier tout. À ce sacrement, le sacrement du pape, le sacrement de pénitence, le sacrement de la réconciliation, le sacrement qui vous aide à prendre conscience de votre état. Vous allez être professionnel, rencontrer le prêtre pour déclarer vos péchés, pour déclarer vos péchés. Parce que si nous n'avons pas à confesser, nous n'avons pas à confesser, nous n'avons pas à donner importance à la valeur sacrée sacrée. Nous avons besoin de l'éviter comme le prêtre qui est dit là, Chita, pour confesser chaque jour et l'extérieurement, pour avoir une absolution, pour tout ce que vous voulez, pour la paix. Regardez comment vous êtes maintenant. Regardez comment vous voulez, quel est le cheveu. Il peut faire absolument également tous les dégâts. Donc, il faut garder cette fraîcheur. Il faut la garder jusqu'au bout. Il faut pouvoir la garder jusqu'au bout. Chaque jour, nous répondons en douceur. Chaque dimanche, nous répondons en douceur. En douceur, nous répondons le soir de sa mort. La haine de sa passion. Qui s'agit de faire pendant le repas. Jésus ayant pris du pain. Du pain. Et prononcé la bénédiction. Le remis. Le lève de la main. C'est-à-dire, Jésus prenant une cassette. Le lève de la main, il parle du cimetière qui va y avoir et dit, prenez, ceci est mon corps. Lui, ayant pris une coupe et ayant rendu une grâce, il la lève de la main et prend un plan qui gagne vers la main. Et c'est ça, le corps et le sang de Jésus. Sous l'apparence du pain et du pain. Voilà. Et cette présence est réelle, elle est fondamentale. Et ils en prirent tous. Et ils leur disent, ceci est votre corps. Parce que Jésus va le dire, il va prier Jésus. Il va prier Jésus sur la croix. Son Jésus a versé le sang de l'alliance. Versé pour la multitude, pour toutes les générations présentes et à venir. Amen. Je vous le dis, je ne parle plus du puits de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Jésus va le dire. Mais qui était Paul à ce boulot et qui était la messe là. La messe, pas de temps pour l'église d'Assemblée. Pas de temps pour la messe dans l'église, Jésus prie à Dieu. Sans qu'adolescent, tu m'auras promis matin, pas de temps pour la messe. La messe est fait pour pas, on ne peut pas parler de la messe. Et c'est le Père, et le Père seul qui dit la messe pour céder la messe. Il dit la messe in persona Christi au nom de Jésus. Quand le Père est debout à l'envers, il refait sa Jésus qui l'a fait. C'est la continuité de la discontinuité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Si mon mère, je viens, nous content, tout cœur content, nous impatients, nous m'attendons,
on a plus de questions pour nous déposer le corps et le sang de Jésus pour nous dire Amen. Dans le secret, vous ne l'avez rien dit par mon chemin. Que vous n'avez pas dormi hier soir du tout. C'est vivre son abandon, c'est vivre son abandon avec le Dieu de la vie. Que nous avons pu présenter 17 heures de la vie. Moi, je vais vous le dire, on fait la même. Il y a encore un peu de temps depuis ce matin. Il y a dans le petit, mon père, nous avons grandi pour nous parler à l'aide de la France. C'est le petit, c'est le temps là. Mais je ne sais pas si tu es là parce que maman, je suis au de l'esprit, nous comprenons ça. La différence, c'est que l'un d'un baptiste, il y a dans le là, l'un d'un baptiste politique, mais pourquoi ça? Que dans notre tout grand, il y a un baptisé pour nous. Et je vous dis à un inconvénient de vous comprendre ça. Nous ne pouvons pas nous donner du monde à l'époque. Nous ne pouvons pas nous donner du monde à l'époque. Nous ne pouvons pas nous papa, ou bien papa, ou bien maman, on dirait les mots, non, on va aller, sinon. Non pas à servir de l'air à non pas à servir de Dieu, ou d'en servir de Satan. Chaque année, c'est pas comme une enfant de mon catholique qui m'a ôté le Seigneur et qui a promis de petit aujourd'hui là. L'Église n'a pas refusé. Non, la demande a été faite, c'est normal pour que le constat de débat et la réponse positive. Mais nous l'avons pas fait. L'Église a compté sur nous. L'Église a compté sur nous comme quatre papa. Pour aider ses compagnons, pour le marché de l'Église. Et des compagnons, pour y aider la prière. Et des compagnons, pour y aider la vie. Et des compagnons, pour y aider la vie. Pour y aider la vie. Toujours à vous aider pour faire communion. Parents, toujours à vous prier pour faire communion. Parents, toujours à vous aider pour faire communion. Parce qu'il y a des problèmes avec chez soi, il y a des problèmes avec chez elle, il y a des problèmes avec mon père, il y a des problèmes avec l'église. Depuis qu'on est pour nous faire, pour activer l'église, nous n'avons pas. Après ça, nous allons payer les guetteurs pour faire une grosse discussion à 25 000 dollars. Mais après, on va dire pourquoi. 10 000 gouttes, tout le monde est déchaîné, marché à faire voir, mon père faire. Et ça, c'est vraiment en pile dans le monde. Pourquoi? En sans conscience, en pile dans le sans conscience. Bien que ça va nous mourir la mer, en pile dans le sans conscience. Nous avons chié avec l'Église. Nous avons une nostalgie contre l'Église. Nous avons défoncé l'Église. Nous avons touché l'Église. Nous avons affiné l'Église. Nous avons prié avec l'Église. Nous parlons de l'Église. Mais nous constatons qu'il y a un peuple qui remet, qui remet, qui remet, qui remet l'Église. À un festival de l'Église. Mais les gens qui nous ont dit, c'est peste. Peste. Trahir l'Église. Pour le monde ouvert, pour des chaînes, pour des bonnets, la même partie de ce que la même chaîne m'a trouvé pire dans le fer de moi. Que faire comme une grande télévision, quelle chaîne de ce que vous, quelle chaîne de vous, quelle chaîne de vous pour appeler, m'a planté la vie là-bas, m'a fait une chanson d'abord, très bien imposée, sans appeler, pour le faire de ma chaîne pour le travail la vie à l'heure. Toutes les paroles de Jacques, si vous êtes tout fait comme une Bible, parce que même après le problème, il y aura peur d'en promettre tout le monde. Parce que nous n'avons pas mangé, même pas encore pour acheter vie, vous n'avez pas une Bible à faire de la vie. Et bien, chers hommes de manger, vous n'avez pas mangé, bien les de manger, car il y a un problème. Nous invitez-vous, vous n'avez pas su des petits mouillons. Je suis bien sûr pour Dieu, après ma chèque de poids de la chèque, que nous devons faire pour nous, 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 pour n
vas venir au monde dans la chérité, tu vas nous manger, tu vas nous boire, tu vas nous sonner, nous faire des communions. Pendant ce temps, ça a été intéressant, c'est l'aspect spirituel. Nous avons des communes, nous avons beaucoup d'importance, l'aspect social. Oui, les communes dans le monde, une chita, vers placer, on souffre les communes. Tandis que, par Dieu nous savons, qu'il m'en parle, par Dieu nous savons, qu'il m'en parle, par Dieu nous savons, qu'il m'en parle, par la personne de la croix, qu'il m'en parle, par la personne de la croix, et si ta vie refuse de prendre, n'a pas fait plus que pour la chaleur, c'est que la vie est chante la chaleur. Et puis, par le visé, c'est mon père. Moi, le père, la première 300, 400 secondes, après ça,
la police. Connais ma parole. Connais ma parole. Dis-nous, fais-nous. Ma parole. Connais ma parole. Connais ma parole. Qui s'appuie, ça nous dit, ça nous vaut. Donc on a placé par le marché, par le téléphone, souillé, là. Et puis le dimanche, nous sommes à la taille. Nous avons dit que l'église est mon malheur. Comment la vie de l'église si nous parlons de l'église? Si l'église est répondue, je suis elle, nous parlons de l'église. Le dimanche, je me suis bien, qui a répondu, nous parlons de l'église. Mais il y a un moment, il y a un petit papa. Comment il y a un peu de l'église dans la société? Comment? Mon société est déjà finie. Une société qui a improvisé, une société qu'on a mangé. Si nous parlons de l'Église, vous ne pouvez plus faire la parole de Dieu, en éliminant la parole de Dieu, cette parole qui a le pouvoir de transformer vos cœurs, votre cœur, votre cœur. Cette parole qui doit nous guider, cette parole qui nous besoin de la lumière, car la lumière de Jésus, cette parole qui a guidé tout ce chemin de la vie. Si nous parlons de l'Église, on quitte la vie. Nous souhaitons s'amener à l'écouter dans le bon thème. Abonnons le cœur, salut, que par amour, c'est dit, ça va bien. Nous sommes catholiques, nous aimons les pays catholiques, nous aimons les pays catholiques, s'il vous plaît, aidez-nous si nous sommes capables de parler de Jésus. Aujourd'hui, nous disons la grâce. Nous demandons au Seigneur de vous accueillir tous. Nous demandons au Seigneur de vous donner de l'amour pour son corps et son sang pour vous devenir notre Christ sur la terre. Donc, mes chers enfants, tenez fiers dans le Seigneur, vous allez recevoir à la fois le corps et le sang de Jésus à travers la vie de chacun, à l'école, au foyer, à la maison, mais partout, pour le Christ, oui, le visage de ce que tu poses en je vous invite tous à relever pour professer la foi de l'Église, notre pouvoir, le gré de ses formes, bénissez constantement. Je crois que c'est le seul qui est le meilleur de l'histoire. Yeah.
Seigneur. Nous allons prier. Nous allons présenter nos prières à Jésus. Jésus va devoir les confier à son Père. Et le Père les confiera à l'Esprit Saint pour que ça n'a pas de nous joigner dans la foi. Chantons et prions ensemble. Choisit quelques jeunes garçons en vue d'offrir des holocaustes. Nous te présentons, Seigneur, tous les appelés à ta suite, notamment les ministres ecclésiaux, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Dans ta bonté inépuisable, par ton Esprit Saint, fournis-leur l'énergie nécessaire pour enseigner ton peuple et lui inculquer l'amour profond de ta parole et de l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, nous prions vers toi, écoute notre prière. Seigneur Dieu, nous prions vers toi, écoute notre prière. Je tiendrai mes promesses au Seigneur devant son peuple. Nous te confions, Père, nos dirigeants politiques qui souvent se détournent de la voie idéale que tu leur traces. Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui exercent un quelconque pouvoir dans notre pays, Haïti, afin qu'ils se mettent courageusement et humblement au service du bien commun. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière. Il accoute au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, auteur de toute vie, nous te prions d'aligner sur les principes de la vertu et du bien la conscience de nos frères qui pillent et vendent notre pays. Répande le chaos, ôte la vie de leurs semblables. Que ta miséricorde touche leur cœur et leur offre de nouvelles opportunités de conversion pour le bien du peuple haïtien. Père très bon, écoute la voix de ton peuple qui souffre. Seigneur Dieu, nous l'autel avec le reste du sang. Seigneur, médecin des âmes et des corps, tourne ton regard compatissant sur les malades qui sont en attente de paroles, de réconfort et de guérison. Dans un pays qui n'arrive plus à soigner ses malades, étends-leur ta main secourable afin qu'ils reviennent à leur état normal et retrouvent la sérénité ou la santé, selon ta volonté. Christ, Sauveur, exauce-nous. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière.
Jésus prononça la bénédiction. Nous te confions, Seigneur, notre assemblée en prière, en ce jour mémorable. Donne-la bénie. Bénis tous les communions qui soient fidèles à toi. Bénis chaque formateur qui a œuvré à la réussite de cette cérémonie. Continue de guider chacun de nous dans notre croissance humaine et spirituelle jusqu'à ton royaume. Exauce-nous, Père, très bon. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière. Seigneur Dieu, nous prions vers toi. Écoute notre prière. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dit le Père. Le Père a dit qu'on va faire la quête. Thank you.
Avec toi. Nous sommes très heureux d'être ici avec toi et pour toi. Voici pourquoi nous t'apportons des fleurs. Elles sont le signe de notre grande joie. Joie de te célébrer, joie de fêter, joie de te recevoir pour la première fois de notre cœur. Nous t'offrons, Seigneur, notre grande joie et celle de toute la famille pour la purifier. Nous voici, Seigneur. De notre foi en ta présence au milieu de nous. Depuis notre baptême, tu nous as fait don de la foi pendant la préparation à notre première communion. On nous a appris à te connaître mieux pour grandir dans la foi. Fais que rien, ni personne dans la vie ne nous détourne de toi. Nous t'offrons, Seigneur, notre foi pour la faire grandir chaque jour. Nous voici, Seigneur. Le pain et le vin qui vont devenir ton corps et ton sang, vraie nourriture pour notre âme. Fais-nous la grâce de venir te jour puiser ta vie à la messe.
chaque dimanche. Ne nous laisse pas nous séparer de toi. Garde-nous fidèles à te servir. Voici nos offrandes, Seigneur. Et le pain, nous allons offrir toute notre vie, notre cœur, notre âme. Tournons-nous vers l'autel. Pas quitter personne déranger nous. Gardez l'autel là seulement. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
Père et très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu as venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père et très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Aux captifs, la délivrance, aux affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ici le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il lui dit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu ensemble, je t'adore. Il est grand le mystère de la foi. Je chante et salue
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marie-Éric Landas, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libéré de la condition du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, l'honneur et la gloire pour le ciel et le ciel. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père et notre Seigneur. Délivre-nous de toi, Seigneur, et donne la paix à nos enfants, soutenus par ta miséricorde. Nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui avons que se réalise cette bienheureuse espérance, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as fait la parole, je vous laisse la paix, je vous prie. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, que toujours cette paix, quand tu l'as, faites l'unité parfaite, pour que tu puisses vivre pour les siècles et les siècles. De la paix du Seigneur, soit toujours la paix pour vous. Frères et sœurs, dans la sainte du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui avait le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quitter son prière et à chanter
après ça, on est en prière et à mission. Fais ça bien. Depuis notre baptême, nous parlons avec lui pour nous l'engagement de choisir le Seigneur et de le servir. La grâce divine nous cesse d'agir en nous. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie depuis notre baptême. Nous disons merci aussi à l'Église qui nous a introduits dans la grande famille des enfants de Dieu. Thank you.
Merci au directeur de chacune de nos écoles pour la formation reçue et qui continuera. Merci à nos professeurs de catéchisme, surtout ceux des centres, pour leur dévouement et leur foi. Merci aux référents pour la cimée qui a mis le local à notre disposition pour les répétitions et qui nous a accompagnés durant la préparation. Merci à Madame Rose comme elle est belle-vue et à notre deux professeurs qui nous ont aidés pendant la réunion. Merci aux musiciens, à tous ceux qui ont contribué à la belle, la belle et ma première communion. Nous demandons au Seigneur de vous bénir à vos dames. Et c'est venu la main des plus enfants, car le royaume de Dieu dans la partie. La vérité est sur vous, la bouche des enfants. Merci, mes chers enfants. Moi-même, malgré le remerciement fait, nous comptons, nous sommes failles, mais moi dis, toute institution est au bout. Si dans ce jour pour plus, passer à ce samedi-là, arriver dans le collège international séminaire, pour faire tout le monde, il va être mon ami. Nous formerons par ça pour appuyer les formations, nous même pour apprendre les formations, oui, bah, il va être. Je dis à l'homme avec l'école Marianne qui m'a aidé. École Saint-Ignace. École Assyriale et Pilar de Chapelle. Ouattara, Chapelle de Miséricorde. Saint-Parasta. Chapelle Saint-Jean-Paul. Merci. Pour présence que nous avons de l'air. Nous faisons ça avec rien. Marie-Ange, Jean-Marie Toutot, Vanessa, commission spéciale, pour accompagner Timothée, dans la formation pour la première communion, dans le centre à l'Astra. Nous comptons ça, la nouvelle, ça fait plaisir. Corps professoral. Si mon Dieu le met dans l'école, la formation dans l'école, ça nous prend dans l'école, et ça nous prend ensemble, pas différent. Parce que l'homme, il va avec nous, une satisfaction. Continuité, il est important pour nous. Pour l'école, pour la mission, il n'y a pas de doute. Mais pour ça, il faut que nous continuions à aller à l'église. Parce qu'il y a besoin de nous confirmer la paroisse. Pas de là avec Saint-Claude aujourd'hui. Par ailleurs, continuez à aider pour être capable de trouver trois sacrements de l'initiation chrétienne. Je l'ai déjà parlé, la dernière communion, il y aurait été confirmée. Mon frère Péo, qui était dans l'infection. Merci un peu. Tout en fait que tout le monde fait ce service-là pour aider un peu qui a déclenché vivre de l'aide de la situation, s'inscrire et tout ce qui est. Je dis, on a fini avec le Seigneur Léon, la paroisse pour amener ça. Tout le monde fatigue. Mais le fatigue, professeur, moi-même, très fatigué. Le second niveau, c'est de se dire fatigué, nous, en pile, surtout dans mon affaire, avec Timou. Il y a un peu de temps,
Si vous n'avez pas de jamais aimé, c'est pour non. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je dis donc, félicitations pour tout le monde. Mais c'est pas tous les amis. Chaque jour, sont tous les dimanches. Pour chaque dimanche, sont tous les dimanches. À tous ans, la pénétrie, nous n'avons pas de fois la soupe confirmée à 14 ans. Ou 14 ans de confirmée. Nous n'avons pas de continuer la formation, nous n'avons pas de dans la foi. On est avec beaucoup de formation, nous avons témoin dans l'Église Jésus-Christ. Tout le monde est simplement, remerciez-nous et dites-nous qu'il est venu dans notre Dieu d'Aïe. Nous parlons de la bénédiction sur la mer, à Timonzao, et comme il est jeudi, prière de vous lever pour la bénédiction sur la mer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant éloigne toujours de vous la versité et dans sa bonté, répand sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il donne vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés de joies éternelles. Il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de faire le travail d'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu de puissance, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Allez, pour la paix du Christ. Responsable, Léo, nous avons fait tout le monde sur la mer. Non, et on prend et on. Merci beaucoup.